Ben, moi, je m'appelle Mireille Morcette, puis mon domaine, ben, je fais du théâtre. Bonjour, je m'appelle Marie-Josée Roy, j'étudie à l'Université d'Ottawa en sciences politiques, Common Law. Bonjour, mon nom, c'est Marc-André, j'ai 21 ans, je viens de Hearst, en Ontario. Et pour moi, le théâtre et l'improvisation, ça a toujours été une passion, même que je l'ai tatoué sur le bras. Moi, je m'appelle Karine Plamondon, je suis étudiante à l'Université d'Ottawa en lettres françaises. Ben, je faisais beaucoup de pièces quand j'allais au camp sous la vie à Hearst. On faisait tout un petit pièce à la fin, puis c'est vraiment là que j'ai commencé. Mais mes débuts étaient vraiment en 8e année. Ma première expérience en théâtre, ça a été en 8e année avec la pièce avec Mme Julie. Alors, t'as tellement une bonne gang, c'est tellement fun. Même si j'avais pas un rôle principal, j'adorais mon rôle, je me suis mis à fond là-dedans. Et les premières expériences, ça a été vraiment la pièce de 8e année, là, où c'était avec Mme Julie Brunet. Vraiment, c'était une expérience incroyable. Ça a vraiment été comme, je peux dire, une révélation, là, comme ça a vraiment là, changé comme, ma façon de voir ça. J'avais jamais vraiment essayé ça avant. Puis en faisant ça en 8e année, ça m'a aidé à me dégêner puisque j'étais une personne extrêmement gênée. Puis ça a vraiment été une belle expérience pour moi. Depuis que j'étais en 8e année, j'ai fait à peu près 2 pièces de théâtre par année, soit une par été au Conseil des arts. Moi, j'ai fait des pièces de théâtre à Ottawa, donc je m'y connais très bien. Là. Oui, j'ai eu d'autres expériences en théâtre. J'ai fait une autre pièce au secondaire avec la classe de théâtre. J'en ai fait une aussi pendant un été. Moi, j'ai toujours, dans le fond, tout mon secondaire, j'ai fait de l'improvisation de la 9e à la 13e année. Il y a un an de plus aussi. J'aime vraiment beaucoup le théâtre. Je trouve que c'est une manière de s'exprimer. Un art qui est tellement facile de pouvoir entrer dans une personnalité de quelqu'un qui est soit complètement différent, soit qui est toi-même. Le théâtre, ça a toujours été quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Lire des pièces de théâtre, je trouve ça... J'adore ça. Puis jouer aussi dans les pièces de théâtre. Ça permet d'enrichir côté vocal, dans tous les côtés. Puis le théâtre, c'est ça, ça me garde dans les dents. Ça t'aide aussi à découvrir ce qui t'est d'une manière, parce que tu apprends beaucoup là-dedans. Je trouve que c'est un apprentissage tellement important pour une personne. Puis tout le monde devrait au moins faire l'expérience dans sa vie. Et c'est important d'aller aux pièces de théâtre de l'été parce qu'il y a des acteurs de la communauté ou du monde qui viennent en dehors juste pour ça. Faisait partie de notre communauté avant, puis qui passent des mois à se préparer pour ça, puis ça serait important de venir les encourager. C'est une bonne chose pour la communauté. Je crois que ça rassemble vraiment la ville de Hearst. C'est tellement le fun d'avoir un public. C'est ça qui fait que ça, on dirait que c'est tellement une grosse récompense. Même si on n'a même pas aimé la pièce, le fait qu'il était là, c'est déjà quelque chose qui est le fun. Quoi? Tu veux pas venir? Hey! N'hésite pas. Oh my god, ça va être une bonne expérience. Allez voir ça. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ça va vous aider à vous découvrir. Oh mon Dieu! Ça va vous faire vous épanouir. C'est vraiment quelque chose de bien. Vous allez même vous découvrir vous-même. Non, n'hésite pas.